بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب، السلام عليكم. alors toujours في le chapitre des chaînes de caractères في langage ديالنا langage C. alors اليوم غنشوفوا un certain nombre de bibliothèques donc les qui permettent le traitement des chaînes de caractères. La bibliothèque المهمة بزاف donc c'est la bibliothèque string.h. elle fait des fonctions qui sont spécifiques pour le traitement des chaînes de caractères. الوغ الا كنتو عقلتو في لا شابيتر اللي فات ولا في لا فيديو اللي فات ديال لي شين دو كاركتير ختمنا بان اكزيرسيس كي بيرمي دو كالكولي دونك لا لونغور دون شين دو كاركتير داكور درنا واحد لا بوكل اي اون شيرشي دونك لا فان لا شين دو كاركتير اللي هي اونتيستا 0 اي اون كونتي لو نومبر دو كاركتير كي سون ديفيرون دو اونتيستا 0 الوغ بعد عطانا دونك لا لونغور ديال لا شين دو كاركتير الوغ ماتنو هاد لو طرافاي كامل دونك كاين اون فونكسيون اللي كاينه في لا بيبليوتيك string.h كي بيرميت دو فير هاد لو تريتمون هذا داكور دونك كاينين بليزيور فونكسيون كي بيرميت دو فير دي تريتمون سور سور لي شين دو كاركتير حنا غادي نشوفو دونك لي بلوز يوتيليزي دونك كاينين بزاف مي حنايا في هاد لو شابيتر غادي نشوفو لي بلوز يوتيليزي ما غادي نشوفهمش كاملين مي اللي كيستعملو بزاف في لي تريتمون الوغ لا بيبليوتيك string.h فورني اون ملتيتود دو فونكسيون براتيك بور لو تريتمون دي شين دو كاركتير. Alors là, on va prendre des exemples. On va prendre un exemple des deux chaînes de caractères, la chaîne de caractère S et la chaîne de caractère T. Donc, ce sont deux chaînes de caractères. Alors, la première fonction, c'est la fonction str len de S. Donc, il y a la fonction qui permet de retourner la longueur de la chaîne de caractère S. D'accord? Donc, le traitement avec le programme, les dernières la vidéo, les faites. Quand même, je m'offre une fonction qui s'appelle str. Str, ça veut dire string. Len, donc c'est la longueur, str len de s. Donc, on a un paramètre la chaîne de caractère s, et automatiquement, il va calculer la longueur d'elle, il va nous la retourner sous format entier. Alors, cette fonction, il fournit la longueur de la chaîne s, sans compter le anti-slash 0, donc le caractère final. Donc, ça veut dire les caractères, les qu'avant le anti-slash 0. Donc, d'ailleurs, c'est le même traitement que la dernière fois, on a compté les caractères qui sont différents de anti-slash 0. D'accord. Bien sûr, après, on va dire le slide là, on va dire des cas pratiques, les radins c'est nous ferons des fonctions. Alors maintenant, str copy. Alors maintenant, si je veux copier une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères, d'accord. On dit une chaîne de caractères S, on dit une chaîne de caractères T. Je veux copier la chaîne de caractères T dans la chaîne de caractères S. Alors, je vais dire l'affectation. Je vais affecter la chaîne de caractère T à la chaîne de caractère S. Alors, je vais dire S reçoit T. D'accord? Donc, S reçoit T. Alors, l'affectation, lorsqu'il s'agit de deux chaînes de caractère, mais qu'est-ce que dash avec l'opérateur égal? Donc, ça n'existe pas. D'accord? Lorsqu'il s'agit de deux chaînes de caractère, l'affectation, mais qu'est-ce que dash égal, l'affectation se fait avec l'opérateur ou bien la fonction str copy. D'accord? Il se fait avec str copy. Donc, on a fait la chose. S reçoit T. Donc, on a dit, mais qu'est-ce que comme ça? Donc, parce que tu as dit, str cpy ou place had égal à dit, quand tu l'as dit la virgule. D'accord? S reçoit T. D'accord? Alors ça, donc, c'est l'affectation. Au snar d'oulbel, c'est que str copy de s virgule t, mais chez IA, str copy cpy d'iel t virgule s. D'accord? Mais chez bhal bhal. Hadou, ils sont différents. D'accord? Hadi bhal h, hadi rabhal ladrna, t reçoit s. وهذه الأولانية سي اس غصوى تي راه كاين فرق داكور الا قلبت لي بارامتر داكور راه كاين اون ديفيرونس ما بين لي دو فونكسيون داكور الوغ سكيل فو روتينير سو كو بور افيكتي اون شين دو كاركتير اون اوتر شين دو كاركتير اون يوتيليز با لوبيراتور ايغال مي اون فا يوتيليزي لا فونكسيون str كوبي داكور. On utilise la fonction strcpy. D'accord? Alors, il y a la fonction str
CPY ou bien STR copy. Alors, quand vous laissez CPY, parce que quand des étudiants, qui prennent le dit, STR copy, je vois qu'ils ont le O. Donc, ils disent STR COPY. Non, là, c'est CPY, STR copy. Alors, ils copient donc T vers S. D'accord? Alors, maintenant, l'autre fonction, c'est STR4. D'accord? STR4, STR concaténation. Donc, c'est la loi concaténée. D'accord? STR4 de S virgule T. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Il permet d'ajouter S à la T plutôt à la fin de S. Alors, c'est comme si Drna S reçoit S plus T. Voilà, il s'agit de chaîne de caractères, mais je dis anti, je vais dire le plus. Mais le plus, là, il désigne la concaténation. D'accord? Radijma, la chaîne de caractère T, dira à la fin de la chaîne de caractère S. Exemple. Supposons la chaîne de caractère S. On dit la chaîne de caractère S ou la chaîne de caractère T. La chaîne de caractère S fait à Ahmed. D'accord? Ou la chaîne de caractère T fait à Ali. On va dire que STR 4 de S virgule T. Alors le résultat de la fonction, il va prendre le contenu de T pour adhésif la fin de S. Ça veut dire la chaîne de caractère S à la fin, je radio l'IFA. Ahmed, Oqdamha, Ali. D'accord? Oqdamha, Ali. Donc, il y a son espace, Mlaska. D'accord? Ahmed, Ali. Donc, il va prendre le contenu de T, il va l'ajouter à la fin de S. Et la nouvelle valeur de S, à tous les yeux, Ahmed, Ali. Alors, maintenant, supposons que j'ai un espace, un aimabin Ahmed ou aimabin Ali. Alors, soit la chaîne de caractère initial de S, un espace pour l'autre, ou là, la chaîne de caractère T, un espace au début. D'accord? Alors, là, la STR4, elle permet de concaténer deux chaînes de caractères. Ça veut dire ajouter T à la fin de S. Alors, on a la même chose que STR copy. Alors, là, les paramètres, ce n'est pas la même chose. Donc, STR4 de S virgule T, mais si il y a STR4 de T virgule S. D'accord? L'exemple, les derniers tout à l'heure, parce qu'on a Ahmed ou Adna Ali, nous avons STR4 de S virgule T, S, il est de l'être, ou l'être fait Ahmed Ali. Mais maintenant, on a STR4 de T virgule S, je connais le radic de l'être, l'oulania, Ali, Rabhallah, T reçoit T plus S. D'accord? Donc, S égale à S plus T, il y a STR4 de S virgule T. Ou T égale à T plus S. Alors, s'il vous plaît, donc je répète, le plus là, ce n'est pas l'addition. On a dit juste pour expliquer. Alors, ça, c'est la concaténation. Parce que là, on parle de deux chaînes de caractères. Donc, il va ajouter S à la fin de T. D'accord? Alors, là, le résultat, ça sera quoi? C'est le T qui va être changé. Donc, là, à la fin, donc j'aurai Ali, Wahdaha, Ahmed. D'accord? Ali, Ahmed. D'accord? L'oula, donc, quand on a Ahmed Ali, d'abord, on a les paramètres, on a Ali, Ahmed. Donc, ce qu'on a modifié, c'est la chaîne de caractère T. Ou la chaîne, l'oukhra, il ne change pas. D'accord? Qu'elle change rien la valeur, qui est là, donc bien la chaîne de caractère, qui est là, le premier paramètre. T égale à T plus S. Ce qui est changé, c'est T. Et S, il n'est pas changé. S égale à S plus T. Ce qui est changé, ce qui est modifié, c'est le S et non pas donc le T. Alors là, il y a STR4, il permet de faire la concaténation donc, de deux chaînes de caractères. D'accord? Alors là, il y a ajoute T à la fin de S. Il a indiqué STR4 de T virgule S. Il ajoute S à la fin de T. Alors maintenant, pour comparer deux chaînes de caractères. Alors maintenant, pour comparer deux chaînes de caractères, alors l'opérateur de comparaison, bien, les opérateurs de comparaison, les Knashna, Huma égal, supérieur,
inférieur ou bien supérieur ou égal et inférieur ou égal. D'accord? Alors maintenant, pour comparer deux chaînes de caractères. D'accord? Pour comparer deux chaînes de caractères, on ne va pas utiliser des opérateurs. Non, c'est l'opérateur égal, égal. D'accord? Donc, on ne va pas utiliser des opérateurs égal, égal ou inférieur ou supérieur parce qu'il s'agit de deux chaînes de caractères. Maintenant, comment je peux comparer deux chaînes de caractères? Alors, deux chaînes de caractères, soit, on a dit qu'on a mais la comparaison va se faire caractère par caractère. Exemple. Je prends la chaîne de caractère Ahmed. D'accord? Ça, c'est la chaîne de caractère S, par exemple. Et la chaîne de caractère Ahlam, par exemple. Donc, ça, c'est la chaîne de caractère T, ou bien S. Ou ça, c'est la chaîne de caractère T. Alors, pour comparer les deux chaînes de caractères, ou est-ce la chaîne de caractère S égale à la chaîne de caractère T? Alors, la comparaison, comment elle va se faire? La comparaison, elle va se faire caractère par caractère. Donc, il va comparer A avec A. Maintenant, qu'est-ce qu'il compare ici? Il compare le code ASCII, le caractère A, avec le code ASCII, le caractère A. Le premier caractère avec le premier caractère. Alors, A égale à A. À ce moment-là, il va pas dire que S égale à T. Non, il doit comparer toute la chaîne. Donc maintenant, il dose H avec H. Le code ASCII de H majuscule, il calcule le code ASCII de H majuscule. Alors là, pour l'instant, on va faire comme une. Donc après, il va comparer M avec L. Il va prendre le code ASCII de M, il va le comparer avec le code ASCII de L. Alors là, le code ASCII de M est supérieur au code ASCII de L. Donc, même si l'ordre alphabétique, d'accord, le L s'appelle M. Ou le M qui a dit le L. D'accord, quand on dit L, M. D'accord? Alors, le code ASCII de M est supérieur au code ASCII de L. Automatiquement, le S, ça sera supérieur à T. D'accord? Le S supérieur à T. Alors maintenant, comment on va savoir que S est supérieur à T? Comment on va le savoir à partir de la fonction à strcmp? Alors là, cette fonction, elle va retourner trois valeurs. Soit elle va retourner 0, le cas d'IL, la chaîne de caractère S égale à la chaîne de caractère T, ça veut dire tous les caractères de la première chaîne égale respectivement au caractère de la deuxième chaîne. Le premier égale le premier, le deuxième égale le deuxième, le troisième égale le troisième, ainsi de suite. D'accord? Alors cette fonction-là, elle va retourner 0. Si la chaîne de caractère S, elle est supérieure à la chaîne de caractère T, alors comment je peux dire que S, elle est supérieure à T? Donc, lorsqu'il va rencontrer le premier caractère qui est supérieur à son correspondant de la deuxième chaîne, d'accord? Il va dire que la chaîne de caractère S, elle est supérieure à la chaîne de caractère T. Et cela, donc cette fonction-là, il va retourner une valeur qui est supérieure à 0. Donc, il va retourner 1. D'accord? Alors, si S, il est inférieur à T, le caractère, il est inférieur au deuxième. D'accord? À son correspondant. Et ce moment-là, il va retourner moins 1. D'accord? Alors, cette fonction-là, elle retourne soit 0, soit 1, soit moins 1. Soit elle va retourner une valeur nulle, soit une valeur positive, soit une valeur négative. D'accord? En fonction d'elle, les résultats de la comparaison. Alors, cette fonction-là, donc, regardez, c'est le plus utilisé. Hein, donc, ça y est, quand c'est MLOEBZEF, pour faire la comparaison entre deux chaînes de caractères. Alors, compare S et T lexicographiquement. Ça veut dire, Naya, elle va faire la comparaison caractère par caractère en prenant donc le code ASCII. Alors, Naya, elle va retourner une valeur négative, ou bien une valeur négative, si S précède T. Alors, elle le précède par l'ordre alphabétique, en fonction des codes ASCII des noms. Alors, elle va retourner 0, c'est S égale à T. Et aussi, donc, il va retourner une valeur positive si S suit T. Alors, S est T l'ordre alphabétique. D'accord? On va prendre un exemple, d'accord, pour tester donc la fonction strcmp. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est pour comparer, on ne va pas utiliser égal, égal, ou bien supérieur, ou bien inférieur. Non, on va utiliser cette fonction-là. Et on va le comparer avec
soit la valeur 0, c'est S égale à T, soit avec la valeur qui est supérieure à 0, ou bien inférieure à 0, le cas de S précède T, ça veut dire inférieur à T, ou bien une valeur qui est supérieure à 0, d'accord? Le cas de S essuie T, d'accord? En général, il y a c'est 1, c'est moins 1 plutôt, on a c'est 0, on a c'est 1, d'accord? Donc, on va voir un exemple comment utiliser donc les fonctions. Alors, qu'il y a plusieurs fonctions, qu'il y a la bibliothèque string.h, mais là, on va se contenter seulement de les quatre fonctions parce qu'on a les plus utilisées. D'accord? Donc, on va prendre un exemple tout de suite pour tester les fonctions d'Ocamli. Alors, on va faire des exemples. On va tester les fonctions de la bibliothèque string.h. Donc, on va déjà par include la bibliothèque string.h. On va prendre un exemple, donc une chaîne de caractères, char T. On va prendre 30 caractères, par exemple. Après, on va demander l'utilisateur. Alors, on va tester maintenant la fonction strlen, donc qui retourne la longueur de la chaîne de caractères. Donc, la longueur, on va stocker dans une variable entière, par exemple, int L. Donc, dans cette variable L, on va stocker la longueur de la chaîne de caractères T qui va être entrée par l'utilisateur. Alors ici, le maximum, c'est 30, mais l'utilisateur peut entrer moins que 30. Là, on va tester. Donc, l'utilisateur, il a entré combien de caractères la chaîne T. Donc, printf, donner une chaîne de caractères. Donc, la lecture, donc une magna, toujours, on va le faire avec la fonction get. Donc, get T. Après, dans L, on va stocker la longueur de la chaîne de caractères. Alors, str, len, c'est la fonction qui nous retourne la longueur de la chaîne de caractères T. Donc, la chaîne entrée par l'utilisateur, c'est la chaîne de caractères T. Et après, on va afficher printf la chaîne, par exemple, contient pourcentage D caractères. D'accord? Mais il va me dire, par exemple, la chaîne contient 5 caractères, 11 caractères, 10 caractères, ainsi de suite. Donc, virgule, et je vais afficher L, point virgule. D'accord? On va tester. Alors, donner une chaîne de caractères. Donc, si vous voulez, bonjour, Ahmed. Et je valide par entrée. Donc, la chaîne contient 13 caractères. D'accord? Alors, maintenant, si je donne une autre chaîne de caractères, par exemple Mohamed. Donc Mohamed, il contient 7 caractères. Donc la chaîne contient 7 caractères. D'accord? Alors ici, donc soit j'utilise la variable L et après je l'affiche. Sinon, donc je peux utiliser directement ici le strlen de T. Directement, parce que la fonction, elle retourne un entier, elle voit la longueur de la chaîne de caractères. Dans ce cas, donc je n'aurai pas besoin de la variable L. D'accord? J'exécute, donc bonjour, il contient 7 caractères aussi. Donc ça c'est pour la fonction strlen. Maintenant on va voir la fonction strcat, donc l'ichna qui permet de concaténer deux chaînes de caractères. Et dans ce cas, j'aurai besoin d'une autre chaîne de caractères, donc S par exemple. Donc ça y est, fait à 30. Après, donc donner, je vais faire, donc si donner la chaîne T. D'accord? Et après, donc, je vais faire la même chose, donner la chaîne S. Donner la chaîne S. Et je vais lire ici S. Et après, donc, je vais afficher. Donc, je vais faire la concaténation. STR4. Et la dette S, virgule T. Ça veut dire le contenu d'LS. Radio Liwa, le contenu d'LS. Vous avez d'aller, le contenu d'LT. Il a dit str4 dlt, s, là c'est l'inverse. Maintenant c'est le contenu dlt, il le contenu dls. D'accord? Point virgule. Et après, donc, je vais afficher la chaîne de caractère t. Donc je vais afficher les deux. Donc je vais afficher t et je vais afficher s. Donc printf, la chaîne t égale, donc pourcentage s. Donc, je vais mettre ici « Ctrl slash n ». Alors, soit j'utilise « printf », soit j'utilise « puts ».
D'accord? Virgule T, point virgule. Je vais mettre printf. La chaîne S égale pourcentage S. Et j'affiche donc le... Je peux mettre aussi anti slash n, non, virgule, virgule s. Et on va voir donc l'effet de la fonction str4, d'accord. Alors on va donner ici, donc la chaîne de caractère t, je vais faire bonjour. Et dans la chaîne de caractère s, je vais mettre Ahmed. Et dans ce cas, str4, d'accord, qu'est-ce que j'ai fait? Str4 de t virgule s. Ça veut dire s, ça veut dire z à la fin de t. Ça veut dire Ahmed Hadi, Radji, l'akhar diel bonjour. Alors, T, vous l'avez fait, bonjour Ahmed, mais attaché, qu'il me gueule. Donc, il n'y a un espace entre les deux, donc elle se rend directement. Mais la chaîne de caractère S, quand tu fais Ahmed, tu fais Ahmed. Mais la chaîne de caractère T, vous l'avez fait, bonjour Ahmed, attaché. Alors, maintenant, il y a un espace, ma bien bonjour, ma bien Ahmed. Alors, flasizi, soit je fais un espace après bonjour, ou bien avant, avant Ahmed. Donc, on va exécuter. Donc, je vais mettre ici bonjour. Et dans ce cas, je vais ajouter l'espace. Alors, c'est un espace. Maintenant, je vais mettre Ahmed. Et dans la chaîne de caractère T, vous allez faire bonjour, espace, les cas de faire déjà. Et j'ai fait la concaténation avec Ahmed. Mais la chaîne de caractère S, il n'a pas changé de valeur. On va faire Ahmed. D'accord. Donc, ça, c'est le rôle de la fonction str4. Maintenant, on va voir strcopy pour copier une chaîne de caractère dans une autre chaîne de caractère. Alors ici, donc, create la chaîne de caractère T, ou create la chaîne de caractère S, et après, donc, je vais dire, je vais copier T, donc je vais afficher avant de faire la copie. Donc, je vais mettre ici printf avant la copie. D'accord? Anti slash n. Donc je vais faire après la copie. Donc je vais faire la copie. La copie, parce qu'on dira, ma candidat s reçoit t. S reçoit t. Non. Elle dit, quand dira, le cas des entiers, les réels ou bien les caractères. Maintenant, elle dit une chaîne de caractères. Donc l'affectation, ma candidat égale, candidat s tr cpy. Copie. On peut dire s virgule t. Ça veut dire S, il va recevoir la valeur de T. Et après, donc, je vais afficher, après la copie, je vais afficher la valeur de T et la valeur de S. Donc ici, je vais mettre après la copie. D'accord? Donc je vais exécuter. Donc là, je vais mettre bonjour. D'accord? Dans S, je vais mettre Ahmed. Alors, avant la copie, quand T fait bonjour ou S fait Ahmed, mais après la copie, la chaîne T ou l'a fait bonjour, ou la chaîne S ou l'a fait bonjour. Donc, avec le T, copie 9 S. D'accord? Donc, T reçoit la valeur, S plutôt reçoit la valeur de T. Donc, S reçoit la valeur de T. D'accord? Donc, je vous l'a fait en bonjour, bonjour. D'accord? Donc, ça, c'est pour copier une chaîne de caractère dans une autre chaîne de caractère. Si par erreur, Dertu S reçoit T. Donc je vais afficher juste la barre de la compilation. Alors je vais exécuter. H4NNAA. Elle value require in function main. D'accord. Mais dit non, il n'a pas pu faire donc l'affectation. Parce qu'il s'agit de deux chaînes de caractères. S et T sont deux chaînes de caractères. L'affectation est égale. D'accord. L'affectation ne se fait pas par égal. Donc, il va vous signaler une erreur de syntaxe. Donc, la copie cadre avec str copy. Alors, maintenant, on va voir la comparaison. Donc, je vais comparer les deux chaînes de caractères S et T. Est-ce que S, il est avant T ou bien après T ou bien ils sont identiques. D'accord? Alors, que je vais faire, donc, je vais lire le S et le T. Et après, je vais comparer. If, donc, je ne vais pas mettre if s égale égale t. Non. La comparaison qui m'a dit l'opérateur égale égale, mais il se fait avec la fonction strcmp compare s virgule t. Alors maintenant, cette fonction-là a trois valeurs possibles. Soit égale égale à 0,
امتى؟ إذا كانت S إيغال التي، دونك كاش من ميتر printf لي دو شين سون إيغال، داكور بيان إيدونتيك، دونك جو ميتر إيدونتيك. Ils sont identiques. Alors sinon, else, else quoi? Quand il y a soit S inférieur à T ou bien S supérieur à T. Lorsque je dis inférieur ou bien supérieur, c'est l'ordre alphabétique en fonction des codes qui dialogue. Il va comparer le code ASCII caractère par caractère qu'il m'a dit. Alors else if strcmp de S virgule T. Est-ce qu'il est supérieur à 0? Est-ce que la valeur retournée par de la fonction, est-ce qu'il est supérieur à 0? Il est quand même supérieur à 0, je vais dire que S, il suit T. Ça veut dire que j'ai après T. D'accord? Il est supérieur, donc je vais mettre ici printf. S est après T. Donc j'ai après T, l'ordre alphabétique ou bien lexicographique. Else, sinon, je prends l'IA est inférieur. Donc, s'il est inférieur, ça veut dire que T, S, il est inférieur à T, ça veut dire S que j'ai avant T. Printf. S est avant T. Donc, j'ai dit maintenant avant T. D'accord? Donc, on va exécuter ça pour voir ce que nous. Donc, je vais mettre ici Ahmed. D'accord? La chaîne de caractère Ahmed. Avec la chaîne de caractère Ahlam qui m'a donné l'exemple. Donc, à chaque fois, il y a S est avant T. Donc, S, j'attrape le T. Parce qu'il y a L qui est avant M. LM. Donc, compare A à A, H à H. Mais maintenant, L à M. Donc, L inférieur à M. Donc, j'ai avant. Donc, Ahlam, qu'est-ce qu'on a avant Ahmed. On va donner un autre exemple. Alors ici, donc, je vais donner Ali en majuscule et je vais donner Ali en minuscule. Le A, il le dit. A majuscule, ma A minuscule. Alors, je connais le couple d'abord, je connais Sabra. Le Sabra, il y a A majuscule parce que le code ASCII d'A majuscule, c'est rarement le code ASCII d'A minuscule. Donc, هذا 65 وهذا 97. Donc, je vais vous dire d'abord S après T. Donc, S que tu lis après T. Donc, S est après T. Parce qu'on est à Dani supérieur. D'accord? Donc, on est Ali Ali. Et là, il fait la différence entre majuscule et minuscule. Et maintenant, donc, je vais donner un autre exemple identique. Je vais donner Amel et Amel. D'accord? Et Goulia, les deux sont identiques. D'accord? Les deux sont identiques. Alors, Naya, il fait aussi donc, la différence, Mabine, les espaces. Il a dit espace Amel. D'accord? Ou dit Amel, majuscule. D'accord? Goulia, S est après T. Donc, S est après T. Parce qu'il a comparé ici le code ASCII idéal A, mais le code ASCII idéal espace. Le code ASCII idéal espace, ou 32. Le code ASCII idéal A majuscule ou 65. Alors 65, il est supérieur à 32 dans ce cas. Donc S, il est après T. Donc on a ça en considération, donc les espaces. D'accord? Et comme ça, donc je pense qu'on a donc les fonctions Kamlin, les chenets fait de la vidéo Ali, strlen, str4, strcompare et strcopy. D'accord? La vidéo j'ai inchallah on va voir les structures bien les enregistrements on te la inchallah la vidéo j'ai donc là comme des questions les chers donc vous pouvez me laisser les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.